Et quoi, c'est lui, hein? Mais la femme là. La femme est plus mal. Excusez-moi. Reconnu comme premier ministre. Pour qui ça? Nous avons fait le devoir, nous-mêmes, comme citoyens qui engagent dans la politique du pays, pour nous dire que Haïti n'a pas pu battre ça. Cependant, il faut qu'il y ait des gens qui prennent responsabilité du pays pour sortir du pays dans la situation critique du pays. Dans ce sens-là, quand que soit X, Y ou bien Z, il faut que nous dérapions le pays afin que nous combattions la sécurité, combattre la vie chère, combattre l'inflation, combattre questions et crise sanitaire qui est dans le pays, mais ça nous besoin de monde, nous besoin de monde qui ont compétences, qui ont une relation internationale même, qui a fait ça. Parce que donc, plus bas que ça, c'est le chaos. Et je dis à là, nous avons 102 territoires perdus, il faut que le territoire ça il rentre dans 27 km. Je pense que ça faut que des gens qui président, qui honnête, qui capable, qui pouvaient une bataille contre le système ça. Mais dans ce sens, ça que nous pas qu'à faire sans nous pas renforcer la police là, nous pas qu'à faire sans nous pas renforcer la mer parce que. Même si mission Capina sont de soutien la paix avec Haïti, mais déjà, il faut que nous ayons capacité pour nous, après 20 ans, pour nous dire que nous avons l'armée environ 25-40 000 hommes. Il faut que nous ayons la police qui est au moins 50 000 hommes, parce que 13 millions de monde, seulement 16 ou 15 000 monde pas tirer. C'est ça qui fait que la situation de sécurité est toujours critique dans le pays, parce que l'État existe dans le pays d'Haïti à travers seul commissariat. Ça, c'est impossible. Je ne dis pas que nous avons un plan de sécurité au moins 20 ans qui permet de nous comprendre que pour payer la sécurité, il faut que nous renforcions la police, il faut que nous renforcions l'armée, il faut que nous renforcions l'institution. Le ça nous a dit, nous avons géré la crise qu'il a. D'autre part, PM Gary Kony arrive dans le pays à bel et bien présent, mais nous demandons tout que rapide au presto pour lui non seulement préparer ensemble avec le conseil de transition, mais un gouvernement de consensus largement large afin que nous venions travailler dans l'intérêt du pays d'Haïti. Lundi dans l'intérêt du pays d'Haïti, aujourd'hui à là. Crise qui là, ils sont crise multidimensionnelle. Et mais pour nous combattre ça, faut que nous à la hauteur, faut que nous gagnions dimension pour nous gérer ça. Je pense que PM Gary Kony avec cette transition, il y a une capacité. Mais dans ce sens, ça faut aller plus rapide. Parce que je dis à nos premiers jeux, dans le mois d'ici mois de juillet, selon l'agenda et ministre de la Santé, il faut qu'il y ait un examen de même année, il faut examen baccalauréat. Cependant, situation que de zone jusqu'à présent, si mon espace public, vous connaissez l'école publique, vous ne pouvez pas jamais ouvert. Ça veut dire, dans le cas ça, nous avons une éducation à deux volets. Éducation milieu rural qui a fonctionné, je dis ça là, mais sacré capital a fonctionné. Parce que lui, c'est les jeunes filles, lui, c'est Pétion, lui, c'est Marie-Jeanne, tout c'est Cafoufeuille, lui, c'est Gravine. Même lui, c'est Cafou, l'affecté face à qui la communauté. Je pense que la question de sécurité, c'est priorité des priorités pour combattre afin que. Pour tout le monde qui a vécu avec l'occupation, les gens qui sont victimes, pour l'État, je ne dis pas de dommager, mais réhabiliter les autorités.
et réhabiliter zone de nos douaio, permettre que nous entrer la caillou afin que d'ici 7 février 2026 pour nous renouveler personnel politique. Agenda li presque pour tout le monde, non seulement ces réformes constitutionnelles, deuxièmement ces questions de sécurité et conseil électoral provisoire et élection. Parce que transition ça, nous connaissons déjà fait 17 mois. Qui est la première là, dans 17 mois, il faut que ça ait gagné l'agenda qui presque a fait. Le temps presse, il faut que Gary Conny et le conseil présidentiel agissent vite, pas de temps encore. Nous pensons que après 17 mois, il ne faut dire qu'il y a plein de l'autre pour le prolongement encore. Sur ce, je pense que et nous disons ça avec la population, nous étions pour nous supporter Gary Conny jusqu'à la fin des élections. Merci. Est-ce que vous pensez que c'est un cas l'autre et la population va Gary Conny, parce que Gary Conny est déjà dans le pays là, mais la population même pas répondre et venir les soirées de... Non, déjà, tu as un pile tweet qui fait connaître que Gary Conny est dans le pays déjà. Non, c'est, je dis à tout le monde confirmé que Gary Conny est dans le pays parce que déplacement depuis 8 ans, il y a plus de monde là, on nous va aller parce que vous dites que Gary Conny a déjà, à chaque instant, on a changé. Maintenant, on ne va pas avoir la Gary. Gary Conny, il est présent sur cela ici. Gary Conny, en tant que militant, ou même qui ça, et non ça, lui-même, il dit. Bon, déjà, ensemble, c'est le premier ministre, il a passé 4 ans en tête, puis comme premier ministre. Est-ce que vous pensez, et lui-même, qui a résolu le problème ça? Je dis à la suite, c'est pas Gary Conny en soi, comme nous, c'est nous-mêmes haïtiens pour nous supporter Gary Conny pour résoudre le problème qui est là. Parce que je dis à la Haïti, pas pour lui seulement, Haïti pour nous tout le pays. Moi, c'est support chacun haïtien, pour la coupe, ça permet que chacun la résoudre. Ou même présence devant salon diplomatique, est-ce que c'est pour venir supporter Gary Conny? Moi-même, si Gary Conny, ça m'a fait là, c'est pour venir combattre la sécurité. Et pour ça, je suis là pour me dire ça. Combattre la sécurité permet de nous mettre la caillou, préparer le conseil électoral provisoire, faire gouvernement rapide, parce que le monde a ici bien fonctionné. Vous pensez un petit coup de délai ça, les gains, qui a résolu tout le problème ça, parce que c'est un mandat pour faire élection qui n'amène. Mais c'est ça tout à l'heure. Si on réalise tout, le temps presse, mais il faut que nous ayons volonté politique pour faire ça. D'accord, donc. Bolivar Anderson, coordinateur général de Justice White. Saluer toute presse parlée, télévisée, écrite, qui a place à Jodia. Visite, ça en CVP Jodia, c'est l'itraduit témoignage, conseil présidentiel là. Et pour nous capables d'avancer rapidement avec tout ça qui dit encore, trois villes. Et une embagaille qui gagne, un chantier qui est très important. Et non, encore trois villes là. C'est question élection. C'est question élection. Tout le monde connaît, et les papes changés, 7 février 2026, conseil présidentiel là, doit remettre à pouvoir ensemble avec un président élu. Mais aussi, conseil présidentiel là, gagne pour mandat pour être capable de faire élection pour tout notre poste électif. Et c'est dans le cadre de ça que nous visitons CEP Jodia, qui traduit volonté pour le travail coude à coude ensemble avec le conseil électoral là pour l'élection capable de faire dans le temps pour le faire. Nous connaissons déjà que pour le moment, l'institution existe, mais le collège, le conseil de 9 membres qui doit diriger le conseil électoral là, l'IPOCO là. Et CEP, le conseil présidentiel là, travaille rapidement. Semaine ça même qui va le venir
nous allons commencer écrit Jean la loi dit là ensemble avec différents secteurs qui doivent référer monde dans conseil là pour écrire pour capable demander voyez monde que à doit référer pour conseil électoral là de telle sorte que dans mois juin nous gagnons un conseil normalement qui là parce que conseil là quoi et moi même surtout en tant que ancien conseil électoral c'est pas l'élection qu'on a faite et puis c'est le ça pour nous mettre un conseil sous pied dans pile travail qui nous fait nous parlons ensemble avec directeur exécutif là nous parlons ensemble avec un pile l'autre cadre encore du conseil électoral avec dans pile en pile travail qui nous fait et travail ça yo il mérite à ce que gagner un conseil qui en place qui est capable de faire travail ça ensemble avec nous. Donc maternité là c'est première visite conseil présidentiel là depuis le monté c'est pas dernière visite tout on a toujours gain pour capable visiter yo et make sure que toute bagaille capable remplacer rapidement et puis de telle sorte que ben l'année prochaine par exemple capable à être en Haïti un véritable chantier électoral pour nous capable arriver avec date que nous dit à 7 février 2026 pour nous capable gagner un président élu dans tête pays à conformément ensemble avec ça la loi. Nous gèta pas son bon titre avec eux, nous parler nous tendez yo gagner de l'ES que au bail et de l'ES que y a continuer ba nous et n'a fait tout ça qui dépend de nous bon côté nous pour nous capables à travailler ensemble avec eux. Et surtout que nous connaissons aussi que nous, le conseil présidentiel il y a à peine nommé le docteur Garry Conille comme premier ministre de la transition. Nous allons rapidement monter ensemble avec lui le gouvernement pour nous capables de travailler ensemble en étroite en parfaite cohésion pour nous capables de mettre pays à sous voie stabilité et doter pays à aussi de toutes des présidents et de parlement de toutes les postes qui doivent être élus dans le pays. Merci beaucoup de ce que nous avons fait déplacement pour nous être capables de venir et assister ensemble avec Visite Sahara, que nous nous rendons ensemble avec le conseil électoral là. Nous remercions nous sincèrement et nous connaissons toujours ensemble avec nous la presse. Nous aimons en pile et nous pas décider de travailler sans la presse. C'est peut-être ça bientôt, mais en petit temps qui tout coûte. Ou qu'on est officiellement un porte-parole que le conseil présidentiel l'a nommé et c'est lui-même qui prend le pour faire pont ensemble avec vous et qui a toujours été en communication avec vous pour dire tout ça qu'a fait, tout ça qu'a passé dans le conseil. Nous parler, faire un yes sans nous-mêmes, nous parler quitter nous derrière, nous voulons former nous sur tout ça qu'a fait dans la plus grande transparence pour la presse et population capable de connaître tout ça qui doit faire. Merci beaucoup d'être noté là. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti. Thank you.